Oh, quelle belle petite vidéo de Mathieu, merci. Bravo Mathieu! Elles sont tellement belles les couvertures. Oui? Mathieu, l'homme aux mille talents. Oh, pas tant, pas tant. Hey, ben Ben merci oui, d'être là ce soir, assume-toi. les amis. Salut! Salut! Hello! Salut. Alors, écoutez, je sais que tout le monde vous connaît, mais on a Whitney Saint-Ange B ici qui est d'ailleurs, j'essaie de ne pas me tromper dans ton nom. Je sais que j'ai tendance à gâcher les bannières un petit peu. Habitué. Comment ça va, Whitney? Comment ça va, Whitney? Ça va bien, ça va bien. Il fait un peu chaud, mais on est content d'être là, puis avec une belle gang. Fait que, ouais. Parfait. Monte l'air climatisé et puis le Ouais, ventilateur. faudrait que je la OK. parte. Oups. On a aussi Mathieu Fortin, l'homme qui est le plus occupé de la planète en ce moment. C'est clair. Oui, c'est ça. Président de trois pays, quand même. C'est ça que ça fait. Voilà. Ben écoute, je sais que tu as le talent de faire ça, alors il n'y a pas de problème. Il gère comme il le peut. Voilà, c'est ça le truc. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Super contente d'être là, de vous retrouver. Moi aussi, écoute, j'ai remarqué qu'il y a une espèce de pattern, si je peux employer ce mot-là. On dirait que quand Whitney est à quelque part, Stéphanie est là. Et l'inverse, c'est Ouais, quoi votre l'inverse aussi. troisième projet ensemble? Je sais pas pourquoi tu dis ça. Déviance, les héros, même si vous n'étiez pas dans le même livre, vous étiez quand même dans le même collectif. Oui, ben on ne change pas une formule gagnante. C'est ça que The Dream Team, oui. je dis. Super duo. Super duo. Écoutez, on est ici pour parler de livres dont tu es l'enquêteur. Alors, préparez-vous, c'est pas un concept ordinaire, c'est quelque chose de très spécial. Si vous êtes comme moi, vous allez vraiment adorer et puis ça va changer votre vie, je vous le dis tout de suite. Rien que Oui, ça, rien que ça, oh, Sylvain. rien que ça. Il y a de la pression, il y a de la pression. OK. Avant qu'on commence le live, si vous avez des questions, attendez un peu avant de les poser. Tantôt, on aura une espèce de période de questions. Alors, ce serait plus facile d'attendre. Et l'autre chose que je voudrais dire, moi, ADA va faire tirer les trois volumes. Alors, à la fin du live, je ferai un petit tirage, un petit logiciel, et puis j'annoncerai les gagnants, là, sur la page d'ADA. Est-ce qu'il y a d'autres surprises? Oh, ben moi j'aimerais ça faire tirer un exemplaire de mon Menvat, Héritage maudit, publié chez ADA aussi, dans la collection Corbeau. Donc j'en ai en stock ici à la maison, fait que j'aimerais offrir une copie à un ou une heureux, heureuse élue. Donc si Sylvain, tu peux faire tirer un nom puis me transmettre ça, ça va me faire plaisir d'envoyer ça avec évidemment une panoplie de signets. Que j'ai en quantité industrielle à la maison. Donc, attendez-vous à devoir lire beaucoup de livres avec des signets. Voilà. C'est vrai, ça. J'ai trouvé l'autre jour, j'ai une caisse, je pense que j'ai 3 millions de signets. Puis Wow, tu te rends compte 3 que tu millions. les accumules, mais tu fais rien avec. Ça, c'est pas vrai, par exemple, là. Ben, Fais rien avec. il Oui. n'y a pas de salon de livres, hein, non plus. Ah, les joies du live, des fois c'est ça, on parle un par-dessus l'autre, c'est pas grave. Il faudrait lever notre main et puis. Vas-y, Steph. Ben moi aussi, je dois rajouter un déviance. Ça va être une combinaison moi et Whitney, si elle est d'accord. Puis Yes, sir. je suis sûre qu'il y en a qui vont être intéressés à avoir cette perle rare qui se retrouve. Peut-être un peu plus difficilement en librairie, mais moi, j'en ai dans mon bunker. Yes, le bunker littéraire. Puis là, j'ai appris qu'on pouvait faire tirer des trucs, fait que moi aussi, ça me tente. Je pourrais joindre à l'offre Oh. nos héros, médecins et travailleurs sociaux, à l'offre. Fait que comme mes collègues ici, là, je pitch in pour un petit prix. Wow, là, on fait tirer un total de 6 livres. C'est incroyable. Vous êtes très généreux. Ça fait plaisir. Hey, moi, là, avant qu'on commence, moi, je vous connais très bien. Moi, Mathieu, on remonte dans les années 2010, 11, quelque chose comme ça. Puis les filles, ben, on se croise au Salon du Livre, tout ça. Mais j'aimerais ça si vous pourriez vous présenter un petit peu, parler de vous, juste pour que les gens, là, s'il y a des gens qui étaient dans un bunker justement pendant 3 ans, puis 10 ans, qui ne vous connaissent pas, juste pour leur donner une idée de qui vous êtes. On pourrait peut-être commencer avec Mathieu.
J'allais dire les dames d'abord, mais écoute, on va y aller avec l'aînée, en fait. C'est ça qui est, c'est ce qui se passe. Excellent, j'aime ça. Ah oui, l'âge. en fait, je m'appelle Mathieu Fortin. J'écris depuis que j'ai 12 ans. Fait que ça fait 30 ans cette année que j'écris comme loisir, tu sais. Fait que j'ai réalisé ça dernièrement. Puis, en fait, j'ai toujours rêvé d'écrire puis de pouvoir faire aller cette passion-là. Et j'ai commencé à publier dans des revues en 2003. Et de la science-fiction, du fantastique, de l'horreur, là, j'ai beaucoup, beaucoup joué là-dedans. Et, attends, Roméo vient de revenir. Ah, il se sauve, tant mieux. Donc, j'ai un chat. Et en fait, c'est ça. Et en 2008, j'ai publié mon premier livre aux éditions Les Six Brumes, qui était une histoire de loup-garou dans la forêt. Puis, depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté vraiment. Donc, j'avais soumis plein de manuscrits à plein d'éditeurs. Donc, en 2009-2010, j'ai publié beaucoup. Jusqu'à ce que, c'est ça, je finisse par décider que j'orientais ma carrière vers la littérature jeunesse principalement. Donc, j'écris surtout pour les pré-ados, les ados. Et je publie énormément, donc dans plein de maisons d'édition. Depuis 2019, c'est mon revenu. Donc, je suis auteur à temps plein depuis 2019. Je fais beaucoup de rencontres, de conférences, de projets de toutes sortes. Et parfois, j'ai des manuscrits ou des idées qui finissent par devenir des collectifs. Donc, voilà, c'est un peu ça le topo. J'ai publié chez ADA déjà avec les Menvat. Et là, chez Scarab, qui est une division ADA, on a fait ce projet-là des livres d'enquêteurs. Et plein d'autres choses là, qui s'en viennent et qui s'en viendront un jour. Donc, voilà, c'est à votre tour. Super, merci. Il aurait dû passer en dernier, là, je suis un petit peu intimidée. C'est l'âge, c'est pour ça. Ben écoute, moi, je vous ai gardé pour la fin parce que c'est comme le dessert. Je vais garder les pour la fin. Alors, Whitney? C'est bon. Moi, dans le fond. Oh. Il y avait allô? Comme un écho intense, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis là. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'écris aussi depuis mon enfance, mon adolescence, mais j'ai publié en 2019 mon premier roman avec justement Stéphanie Sylvain, Déviance. C'est ça qui est un thriller dystopique plutôt éclaté, là. C'est spécial là, comme histoire. Fait que ça, on est bien fiers de ça. En tout cas, je pense que je peux parler pour nous deux, pour dire qu'on est fiers de ça pas mal. Puis par la suite, j'ai sauté dans le projet collectif Nos Héros, qui rend hommage finalement aux travailleurs essentiels en temps de pandémie, parce que des courtes histoires. Ouais, des fois j'entends des portes ou je ne sais pas trop quoi, il y a comme des bruits de pont. C'est ici, si, il y a des fantômes dans la maison. Ouh! Ah, ok. Ah ben là, c'est concept, c'est bon. Fait que donc, récemment, en novembre dernier, a paru Nos héros médecins travailleurs sociaux. Puis, en mars, il n'y a même pas trois mois, j'ai publié Mourir, qui est un roman d'horreur fantastique, toujours aux éditions Corbeau. Le projet des disparus, c'est finalement mon premier projet pour ados. Et je suis contente de l'avoir fait avec Mathieu et sa grande expérience, puis avec ma plume sœur Stéphanie. Fait que c'est un peu ça mon parcours d'écriture, sinon plein d'autres folies, mais pour l'écriture, c'est ça. Parfait, super. Stéphanie? Moi aussi, je suis comme une touche à tout. Fait que moi, j'aime ça aller dans plusieurs genres différents. Ça fait longtemps que j'écris. Je commençais quand j'étais adolescente, moi aussi. Puis moi, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Puis en fait, on a été nos premières lectrices, si on veut. Moi, je lisais ses textes, elle lisait les miens. Puis dans le fond, c'est ça, ma première publication, en fait, ça s'est passé quand j'avais 20 ans, puis c'était un roman de fantastique magique qui s'appelait Lego Can. Ça a été comme pour moi une première expérience dans le milieu littéraire, dans le milieu romanesque, comme un rêve qui se réalise, puis après ça, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus arrêter, ça c'est sûr. Fait que moi, ça m'a donné d'énergie puis plein d'idées pour la suite. Puis à partir de là, je me suis mis à écrire
à coécrire Déviance avec Whitney, qu'on a publié chez ADA. Puis ça, c'est vraiment comme notre bébé, notre fierté, là, parce qu'on a tellement travaillé fort là-dessus. Puis entre-temps, j'ai aussi écrit d'autres choses. J'ai un roman de fantastique médiéval qui s'appelle Le Roi des Ombres. Et une petite histoire nouvelle de nos héros. Moi, c'est l'histoire d'un facteur. Ça m'avait intriguée, un facteur pendant la pandémie. Qu'est-ce qui arrivait avec sa vie? Puis, ben après ça, ça a décollé de plus en plus. Maintenant, je suis avec Scarabée. Je ne sais pas si on dit Scarabée ou Scarabée. Il y a comme un débat sur le sujet. Moi, je dis Scarabée. Puis, en fait, mon livre d'enquête, de livre dont tu es l'enquêteur, c'est comme une double première pour moi parce que c'est mon premier livre vraiment ado. Puis, en même temps, c'est mon premier livre qu'on pourrait dire policier, tu sais, polar policier, là. Fait que pour moi, c'était comme une aventure. Puis, il y a des périodes où je me suis dit, est-ce que je vais être capable de réaliser ça? J'ai fait plein de recherches parce que je connaissais pas grand-chose du milieu policier, enquêteur, tout ça. Fait que j'ai appris tellement d'affaires. Mais, heureusement, j'étais bien entourée avec l'expérience de Mathieu, puis avec les conseils de Whitney. Tout s'est bien passé, puis je suis vraiment, vraiment fière du résultat. Fait que j'ai vraiment hâte. Je ne l'ai même pas en ce moment entre mes mains. Probablement qu'avec le concours, vous allez recevoir avant moi le livre. Oh my! Je vais pas vous le pardonner, mais sinon, je vais peut-être aller espionner en fin de semaine dans les librairies. Ce qu'on pourrait faire, c'est participer nous-mêmes au concours puis peut-être les gagner. Ben oui, pourquoi pas? Moi, je veux spécifier quelque chose. Peu importe où vous regardez le live, ça peut être sur la page de Mathieu, la page de Stéphanie, vous allez participer au tirage. Moi, ça me donne les noms de tous les groupes ensemble. Et puis, je vais faire le tirage là-dedans. Alors, vous n'avez pas besoin là, d'aller sur la page d'ADA si vous êtes celle de Whitney. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est hors sujet, mais ce n'est pas tout à fait hors sujet. Quand vous parliez de votre roman Déviance, j'ai eu une grosse discussion aujourd'hui avec quelqu'un qui me disait que, bon, il cherchait un de mes romans, mais il est plus dur à trouver en librairie. Ce qui arrive, vous pouvez le confirmer, c'est que souvent, il y a tellement de nouveautés que les romans qui sont sortis il y a 3, 4, 5 ans, 2 ans, des fois vont se retrouver dans un coin. Chez Mathieu, lui, il y a des romans qui sont sortis il y a 10 ans, sont peut-être plus durs à trouver, mais c'est ça qu'il ne faut pas se décourager. Il faut quand même les chercher. Vous pouvez les commander à votre librairie. C'est des perles, des très bons romans, même s'ils ont été écrits il y a plusieurs années. Ouais. Alors, lâchez pas. Continuez à chercher les romans que vous voulez. Des fois, ils ne sont pas sur place, mais on peut demander au libraire qui va les commander. Ça marche bien. Ouais, oui, puis c'est le fun. Vas-y. Non, vas-y. Il y a aussi sur le site Les Libraires, c'est toujours facile. Là, dans le fond, eux, ils recherchent la librairie qui a du stock ou quelque chose comme ça, puis ils vous l'envoient par la poste. Ça, c'est une chance, ça existe, là, honnêtement. Sinon, ça serait un peu la mort des romans qui ont plus que 2 ans. Là. Fait que ça, c'est vraiment utile aussi là, si ça vous tente de commander par Internet. Parfait. Moi, j'ai une question pour Mathieu, avant qu'on parle des romans eux-mêmes. Trouves-tu que les écrivains, depuis quelques années, se diversifient plus que quand tu as commencé à écrire? Parce que je vois là, devant moi là, des écrivains qui ont écrit la jeunesse, de l'horreur, du fantastique, de la science-fiction. Est-ce que tu crois que c'est une nouvelle réalité avec les auteurs d'aujourd'hui? Ben c'est une bonne question, honnêtement. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour l'auteur d'être capable de varier un peu son approche, de varier les genres ou la façon de voir les genres. Là, moi, je dis souvent que ce que j'aime faire, c'est des histoires, c'est des trailers, c'est des suspense, que ce soit de la science-fiction, du fantastique, de l'horreur, du drame, de l'humour même. Il va toujours avoir un personnage qui cherche à atteindre un objectif, puis il va avoir des bâtons dans les roues, puis il va avoir d'un chapitre à l'autre, je vais travailler mon écriture pour essayer d'obliger le lecteur à avoir de la difficulté à lâcher sa lecture, tu sais. Je l'applique dans différents genres. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans la diversification comme ça aussi, c'est d'aller chercher de travailler des effets différents avec, tu sais, les codes d'un genre, puis de jouer avec.
Puis je pense que c'est important que les auteurs essaient de développer un peu cette particularité-là. On ne veut pas se répéter. On peut utiliser une même formule, l'appliquer dans un autre genre, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, le travailler. Puis quand tu es épaulé par des bons directeurs littéraires puis des bons éditeurs qui font bien leur travail, ben, eux, ils vont aider à mettre des balises puis à développer ces outils-là. Puis tu sais, il y a toujours l'idée de... Tu sais, on peut avoir une pensée très, très entrepreneuriale en arrière, tu sais, puis la diversification des produits envers une même clientèle là, ou envers des clientèles connexes, ben c'est une bonne façon aussi de bâtir quelque chose, tu sais. Donc, c'est ça. Moi, j'ai décidé de faire principalement du jeunesse puis m'adresser aux pré-ados. Mais j'ai beaucoup travaillé sur mes relations avec les profs aussi puis avec mes relations dans les écoles pour essayer d'aider à ce qu'il se passe quelque chose avec ça puis que j'ai un support dans ce milieu-là. Mais les profs, c'est aussi des parents puis c'est aussi des adultes, tu sais. Donc, que j'écrive pour des fois un petit peu plus vieux, que j'ai cherché, c'est pas une mauvaise chose. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont compris que, d'un, quand faire du jeunesse, ça peut être très stimulant, puis ça peut être aussi le fun pour l'auteur que faire de l'adulte. C'est une autre approche. Tu sais, c'est une autre façon de raconter, mais c'est aussi intéressant à faire. Et en même temps, ben, les autres, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont compris que c'est pas parce que tu fais du jeunesse que tu es incapable de faire du roman pour adulte. Et le contraire est vrai aussi. Tu sais, c'est une façon de travailler qui est différente. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, j'aime dire que je suis écrivain en littérature jeunesse, mais il y a beaucoup d'adultes qui lisent des romans pour ados, tu sais, donc ouais. C'est pas... Ah, moi, j'adore ça, les romans pour ados. Ben exactement, tu sais, en fait, Harry Potter nous a montré que la littérature jeunesse, c'était de la littérature tout âge, mais avec une façon de raconter qui permet aux jeunes d'avoir accès aussi, tu sais. C'est moins hermétique comme écriture, mais les thèmes peuvent être complexes, les histoires peuvent être, tu sais, difficiles à saisir au premier abord, puis avoir plusieurs niveaux de lecture. Mais ça peut quand même être classé jeunesse. Fait que, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui essaient d'avoir ces cordes-là à leur arc. T'sais, c'est pas mauvais de viser différents publics. En même temps, il y a des auteurs pour adultes qui vont faire de l'horreur un peu plus fantastique, de l'horreur un peu plus thriller, de l'horreur un peu plus policier. Donc, ils vont toujours être dans des genres qui sont proches les uns des autres, mais ils feront pas exactement la même chose d'une fois à l'autre. Donc, il y a des lecteurs qui vont aimer mieux certains genres que d'autres, puis ils vont quand même accrocher, tu sais. Ouais, puis les lecteurs sont plus diversifiés, ils se diversifient plus dans ce qu'ils lisent. Il y a moins de démarcation entre la jeunesse et puis l'adulte. Des fois, tu perds un peu dans les deux. D'ailleurs, votre série, je pense qu'elle est classée 13 ans et plus, si je ne me trompe pas. C'est ça? Oui. Exact, c'est ça. OK. Et puis, elle est en magasin ou sur le point d'être en magasin. Alors, ça devrait, dans les jours à venir, dans les heures à venir, vous allez pouvoir vous le procurer. Est-ce qu'il est en précommande? Les précommandes sont terminées. Sont terminées. Là, je pense que c'est juste le temps que les libraires les placent sur les étagères, mais ça sent bien. Super. Ouais, ils devraient les avoir reçus. Là. L'idée de ce projet-là, parce qu'il faut l'avouer, là, c'est pas un roman classique, traditionnel, que tu lis de la page 1 à la dernière page avec des chapitres. D'où vient l'idée et le concept de cette aventure-là que les gens vivent. Je sais que c'est Mathieu, je pense, qui... C'est encore à Mathieu, répondre, c'est bon. Vous n'avez pas le choix de me passer la rondelle. Oui, en fait, ça remonte à... En 2011, j'ai été approché par les éditions Caractère, qui, à l'époque, avaient une collection de romans pour ados, des collections de romans pour ados, puis ils avaient ce concept-là qui s'appelait « Mène ta propre enquête ». Et l'idée, c'était de publier une histoire déconstruite où le lecteur parcourt des documents d'enquête compilés par un enquêteur sur un cas passé. Et le lecteur a essayé de retrouver ce qui s'est produit, donc de comprendre, un peu comme l'enquêteur l'a fait. Sauf qu'au lieu de suivre un roman policier avec l'enquêteur qui fait des essais-erreurs, ben là, tu as vraiment les documents de l'enquête, donc les entrevues avec les témoins, les rapports d'autopsie, la liste des suspects. Et tu parcours ça pour te promener. Moi, quand j'ai eu cette commande-là des éditions Caractère, ben j'avais fait le protocole Reston ou Reston, selon les prononciations, qui est une histoire de zombie, un roman de zombie publié en 2009 chez Coup de tête, qui avait fait ça a été un bon hit là quand il est sorti ce roman-là. Puis c'était ça qu'on me demandait de faire. On me demandait de faire une enquête avec des zombies. Donc c'était dans ma palette. Puis j'étais dans une drôle de passe là, au niveau de l'édition. Là, j'avais comme moins de projets à ce moment-là. C'était plus compliqué. Donc, j'avais du temps pour prendre ça au vol. Donc, j'ai écrit
ce roman-là en quelques semaines. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est un concept tellement différent que ça peut s'écrire à certains moments très rapidement parce que c'est des analyses de preuves, des choses comme ça. Donc, j'ai construit mon histoire rapido sur papier, j'ai écrit ça, ça a été publié, mais rapidement, les éditions Caractère avaient été rachetées par Transcontinental et ils avaient fermé cette collection-là. Donc, le livre a été peut-être 6 mois en magasin à l'époque, ce qui est un peu ridicule. Et voilà, donc, j'ai récupéré mes droits en 2012 sur ce roman-là. Et depuis ce temps-là, je me dis, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça parce que c'est un concept intéressant. Et bon, j'avais essayé plein de trucs puis ça fonctionnait pas jusqu'à ce que je me dise bon ben j'ai commencé à publier chez ADA, donc je vais tester avec eux si ça les intéresse. Parce qu'ADA, ce qui est intéressant avec les différentes maisons d'édition du groupe, c'est les collectifs. C'est déjà une habitude qu'ils ont de faire ça. Donc j'ai approché LP, Louis-Pierre, dans le fond, Sicard, qui s'occupe des éditions jeunesse chez ADA, puis je lui ai proposé cette idée-là. Et il me dit, ben c'est intéressant, mais je ne veux pas publier un seul roman, je veux 3 romans. Oh, ben moi, j'ai pas le temps. C'est ça. Eh ben, moi, j'avais pas le temps dans mon planning, mais ça me faisait plaisir. Le concept, il m'appartenait pas. Dans le fond, moi, j'avais un manuscrit qui avait été publié, mais j'étais prêt à faire des changements, des ajustements, de travailler en édition. Tu sais, c'est ça aussi le cœur du travail, c'est de te mouler à la ligne éditoriale, puis de travailler avec l'éditeur qui est là, puis tout ça. Donc, l'idée d'ouvrir, moi, j'ai proposé à LP, est-ce qu'on peut ouvrir à d'autres auteurs? Il m'a dit oui. Donc, j'ai lancé un appel aux auteurs déjà qui étaient chez ADA. Puis, Stéphanie et Whitney ont répondu vraiment rapidement à cet appel-là. Il y a eu d'autres auteurs qui étaient intéressés, tu sais, mais finalement, c'est ça. On a discuté ensemble, puis les filles étaient prêtes à s'essayer, tu sais, parce que c'était aussi, je pense, un saut dans le vide qui faisait un peu peur au départ. Mais c'est ça, donc on en a discuté un petit peu de leurs idées, tout ça, puis tu sais, j'aurais pu demander à agir comme éditeur sur le projet, tu sais, j'aurais pu demander à avoir une plus grande implication dans tout ça, mais je trouvais intéressant de juste être là et de lire un peu comme un bêta-lecteur, tu sais, le premier manuscrit, puis faire des commentaires de bêta-lecteur, mais des commentaires aussi avec du recul puis de l'expérience, mais de les laisser vivre avec les manuscrits, tu sais, aussi avec leurs angles qu'ils avaient choisis comme manière de raconter. C'était intéressant pour moi de voir le concept prendre vie dans la tête de quelqu'un d'autre, tu sais. C'est ça. Donc, c'est un peu ça le principe. Tu sais, la première édition, 2011, Les morts ont marché. Donc, c'est ça. C'était ce concept-là. Puis, je trouve qu'il est plus beau aujourd'hui, la nouvelle version. Je trouve qu'il est... Oui, puis le montage... Le montage graphique est plus intéressant aussi de la façon dont on l'a abordé avec les gens chez ADA. Donc, puis moi, j'ai retravaillé. Là, celui-là, il était 16 ans et plus. Donc, il y avait des choses un peu plus crunchy à l'intérieur qu'on a quand même atténué. Donc, c'était intéressant aussi pour ça, de revenir sur un manuscrit publié, mais avec un angle un peu différent, puis d'aplanir certaines choses, puis de travailler certains détails. Donc, voilà, c'est un peu ça la genèse du projet à l'origine. Ben écoute, premièrement, je suis content qu'ADA ait repris le projet. Je ne devais pas souhaiter de meilleurs coéquipiers pour ce projet-là que nos deux amis qui sont ici. C'est extraordinaire. Tu vas avoir le plaisir de partager une table au Salon du Livre avec eux autres. Ah, ça va être malade. J'ai trop hâte que ça recommence, oh my God. Un jour, il y aura des salons. Ça, les enfants, les Salons du Livre, là, c'était des endroits où les auteurs allaient pour parler avec des lecteurs en vrai. Voilà. Oui, c'est ça. Ça se peut pas. Parlez-moi maintenant, bon, moi, j'ai pas vu le livre, mais j'ai les fichiers. Est-ce que visuellement, ça va ressembler à ça avec les dossiers? Et puis, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu, en parler aux gens de quoi ça va avoir l'air, étant donné que c'est pas juste des paragraphes avec le chiffre 1, 2 et puis qui suivent? Vas-y, Steph. Oui, pour ajouter un peu avec ce que Mathieu a dit, moi, quand j'ai entendu le projet, j'avais pas entendu parler de la première version. Fait que là, pour moi, c'était tout nouveau. Puis je trouvais ça tellement une bonne idée. J'ai tellement de gens autour de moi qui lisent jamais ou qui aiment pas lire. Puis moi, en tout cas, quand j'étais adolescente, je lisais à peine, je lisais pas vraiment. Puis d'avoir un concept d'un livre, mais qui n'est pas un roman, qu'on peut lire dans le désordre, qu'on peut passer des pages, revenir,
puis checker seulement ce qui nous intéresse. Je trouvais ça vraiment intéressant, puis vraiment stimulant. Dans le livre, ben, je peux pas vous le montrer, mais je vais essayer d'expliquer. C'est vraiment comme un dossier d'enquête, comme on a dit. Fait que, il y a des sections. Il y a des sections que c'est des interrogatoires, des sections que c'est des fiches de personnages. On voit. Il y a des fiches de personnages, tu sais, avec son nom, sa taille, sa description physique, comme on pourrait voir un avis de recherche ou des choses comme ça. Puis, il va y avoir aussi le côté très scientifique, parce que les enquêtes, je ne veux pas, c'est, il y a vraiment un côté analyse ADN, analyse des empreintes. Donc, c'est tout ça qui peut avoir une, qui va faire la liste des indices, puis qui va, dans le fond, nous permettre de résoudre le mystère. Nous, on a comme 3 livres avec des histoires complètement différentes où souvent il faut chercher, ben, il faut chercher un criminel ou il faut chercher le zombie d'origine dans le cas de Mathieu, parce que tout le monde sait que c'est quelque chose qui se propage. Trouver la source. Moi, dans le fond, dans mon livre, c'est un incendie criminel qui a eu lieu, puis faut, dans le fond, il faut trouver qui a mis le feu, pourquoi, tous les motifs. Comme ferait un vrai enquêteur. Puis, ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'il y a un côté paranormal, un peu mystérieux. On essaye de démystifier tout ça. On pourrait dire un peu, genre, si, pas CSI, mais plus, je sais pas, vous avez des comparatifs dans ce livre-là. Ouais, CSI paranormal, dans le fond, c'est tout ça. CSI paranormal. Ouais. Ouais, parce que, dans le fond, le contrairement, moi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé si c'était un petit peu comme les livres dont vous êtes le héros ou les victimes. Pas du tout. Ça n'a rien à voir parce que tu ne fais pas de choix. On te donne des documents, de l'information et c'est à toi de te lancer là-dedans. Et puis, c'est vraiment différent de ce qui a été fait. J'ai jamais rien vu de semblable en littérature. Oui, c'est la première fois que je voyais un truc comme ça, moi aussi, puis j'étais comme vraiment étonnée. Là, j'ai lu d'abord celui de Mathieu là, pour me faire une tête pour pouvoir écrire le mien, puis ouais, c'est vraiment captivant là, de pouvoir... Moi, je me suis amusée, là, je ne l'ai pas lu nécessairement dans l'ordre, là, j'ai été d'un bord, puis de l'autre, puis de... Ouais, c'était vraiment intéressant, puis je me disais, hey, je veux que ça fasse le même effet aussi... pour le mien, là. Fait que, ouais, vraiment intéressant. Puis ils sont classés finalement par catégorie. C'est pas non plus comme si l'enquêteur avait échappé son dossier à terre. T'sais, ils sont quand même classés. Oui, c'est ça. Il y a des post-it avec des indices. Il y a une table des matières qui nous, qui, dans le fond, pas concentre, là, mais qui répertorie toutes les preuves. Fait que, on peut facilement, quand on est perdu, retourner à la table des matières. Fait que, OK, qu'est-ce que j'ai pas regardé encore? Puis aller sonder des éléments. Puis ces fabuleux post-it qui se trouvent souvent à la fin des éléments de preuve qui nous disent, hey, si t'es intéressé par ça, va donc voir à telle page, à tel élément d'enquête, c'est intéressant. Fait que ça, c'est comme un peu interactif dans ce sens-là, là. C'est vraiment intéressant. Ben moi, je vous le dis, là, je l'ai lu en prenant des notes, puis je suis content de l'avoir fait. Parce que tu ne le lis pas en ordre, là, tu t'en vas. Bon, moi, j'ai regardé, puis j'ai commencé avec celui de Stéphanie. Je me suis dit, OK, oh, je vais aller voir ça. Ben là, tu t'en vas, genre, à page 60, tu lis ces choses-là, tu prends des notes, puis tu reviens. Tu fais plein d'erreurs que tu ne fais pas dans celui de Whitney, mais tu fais d'autres erreurs. Parce que c'est un dur travail que d'être un enquêteur. Moi, je trouve ça assez difficile. Est-ce que c'était compliqué pour vous d'écrire ça, étant donné que vous êtes habitué d'écrire des histoires, des romans de 200-300 pages, et maintenant vous écrivez une enquête, mais du point de vue de documentation, si on veut. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Moi, j'ai toujours trouvé que ça me donnait l'impression d'écrire des documents que j'aurais à écrire comme dans mon plan de roman, avant d'écrire le roman. C'est exactement c'est comme des morceaux de plan, quelque part, là, cette affaire-là. Puis, tu sais, moi, j'ai eu un malin plaisir dans la lettre d'introduction où l'enquêteur explique un peu le concept, le principe de son enquête, à envoyer le lecteur commencer à un certain endroit. Puis moi, j'ai fait un chemin logique à partir de là. Donc, si tu commences où je te dis de commencer et que tu choisis les bons indices dans les post-it, tu as un chemin qui est assez facile au final. Mais c'est pratiquement impossible de toujours faire le bon choix dans les post-it qui t'envoient quelque part. Tu sais, si tu choisis le mauvais, tu es sur la mauvaise voie. Je vais te donner plein d'indices qui sont
qui n'ont pas rapport. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans l'idée, c'est qu'un enquêteur, il compile plein de documents qui ont des fois un lien hyper ténu au final avec les résolutions, mais ils font partie de sa réflexion. Donc, moi, j'ai plein d'articles de journaux qui ont zéro rapport au final avec l'enquête, tu sais. Mais en même temps, quand tu les lis, tu comprends certains éléments qui sont dans l'univers où on se trouve, tu sais, qui contribuent à comprendre la ville. Tu sais, c'est ça contextualise. Donc, c'est pas inintéressant. Puis, en même temps, moi, je pense que ça se fait lire comme un roman. Tu peux le lire de la page 1 à la page finale. Puis, ça veut pas dire que les meilleurs indices sont à la fin. T'sais, peut-être que les 6 dernières entrevues avec des témoins, ils t'apportent aucun élément de plus, mais que tu n'as pas fait les bons liens parce que tu n'as pas attrapé la bonne analyse de preuves après la bonne entrevue. T'sais, c'est ça qui est un peu intéressant. Que moi, j'ai aimé jouer avec ça, aimé aller cacher mes bons indices aux bons endroits, puis faire des liens, puis forcer les liens aussi. Ça, c'est le fun à faire. Là. Hein? Volontairement, tu mets des fausses pistes. Mais dans un roman, l'enquêteur, à un moment donné, il dit « Hey, ça marche pas, j'ai une fausse piste. » Là, l'enquêteur, il le dit pas. Faut que tu te débrouilles avec ça, tu sais. Ça, c'était le fun à faire. Faut que tu te dises « Mais il vient de me dire telle information, mais est-ce qu'il mentait ou il mentait pas? » Tu sais, des fois, faut que tu réfléchisses, puis faut que tu accumules plusieurs éléments ensemble pour dire « Mais non, il était même pas sur place » ou peu importe, je donne des exemples. Je ne vous donnerai pas les vrais indices. Je vous donne des exemples. il n'était pas au bon endroit au bon moment ou peu importe. C'est vraiment comme le travail d'un enquêteur fonctionne dans la réalité. Puis c'est pour ça qu'il y a comme, on pourrait dire, on a l'impression de donner des fausses pistes, mais ce n'est pas toujours des fausses pistes. Des fois, c'est vraiment l'enquêteur qui dit, bon, ben je vais accumuler tous les articles de journaux qui se sont passés à une date précise. Finalement, peut-être que ça ne va pas servir, mais... Il a fait le travail, donc ils sont dans le dossier. Moi, c'est ça que j'ai fait quand je lisais les articles de journaux ou les documents de blog ou des choses. Je me disais, OK, ils ont mis cela pour une raison. Alors, je lisais très sérieusement. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, peut-être que je pense trop. Peut-être que j'essaie trop de... Mais c'est vraiment le fun. Hein. Tu t'amuses comme un fou. Moi, quand je l'ai commencé, j'avais aucune idée ce que j'allais lire. J'avais le document, j'ai commencé, puis j'étais comme... « Wow! » Ma femme m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, je suis en train de lire un roman, mais c'est pas un roman. Ben, tu sais quoi? Une enquête, une aventure. Maintenant, est-ce que ça a été difficile, côté technique, de faire des livres comme ça, avec des images, avec des plans, avec les petits dossiers, tout ça? Ça a dû être plus compliqué pour l'infographiste et puis le côté technique? Ah, c'est sûr que... Ben, je pense que la graphiste, elle a travaillé vraiment, vraiment très fort, là. Honnêtement, ça paraît. Tu sais, on a donné des petites indications. Oh, j'aimerais ça que ça ressemble peut-être un peu à ça. Tu sais, dans le fond, c'est ça qu'ils nous ont demandé. Tu sais, on avait le manuscrit, puis là, à l'intérieur, il fallait mettre des notes sur, j'aimerais ça que ça soit arrangé comme ça. Puis moi, je dois avouer que je m'attendais pas du tout à ce que ça ressemble autant à ce que je voulais que ça ressemble. Fait que j'étais vraiment surprise. Puis c'est sûr, ça vient avec de la grosse job, là. Pour le graphiste, mais ça, honnêtement, j'ai jamais vu un livre avec autant de mise en page et tout ça. Fait que c'est, je pense que c'est divertissant aussi au niveau visuel, là, tu sais, c'est moins linéaire, tout ça, qu'un roman. C'est une bonne introduction aussi, si on veut se mettre à lire un truc un peu plus volumineux, tu sais, qu'un petit livre, mais à quelque part substantiel quand même, puis pas trop linéaire. Ouais, ça fait un format vraiment différent, c'est... Mais écoute, la plupart des gens qui lisent des histoires de policières ou des polars ou des romans détectives, tu te fais dire à la fin c'est qui le coupable. Il y a une partie où bon, tu vas découvrir, alors que votre histoire, c'est toi qui dois le découvrir. Alors c'est un plus qui est plus interactif, plus moderne, si tu veux, une meilleure approche pour les gens qui sont des détectives manqués comme moi. Mais... En même temps, quand même, on les laisse pas sans aller valider leur trouvaille quand même. Fait qu'à quelque part aussi, on a un petit indice final. Une fois que la personne elle a parcouru la majorité des éléments d'enquête, puis elle pense qu'elle l'a trouvé ou elle est dans le vague, puis elle aimerait ça avoir un petit indice de plus, elle peut consulter finalement le dernier indice. Et là, avec cet indice-là, ça vient amener une meilleure compréhension de comment voir les différents éléments d'enquête. Puis après, on espère que suite à l'indice, se remette à resurvoler les éléments d'enquête pour réussir à faire d'autres liens.
Et une fois que vraiment, là, ils pensent que le cas est clos, ils peuvent aller lire la résolution de l'enquête à la fin. Mais bon, allez pas la lire au début, ça rend tout le reste triste et pas du tout amusant, là. Fait que faut vraiment faire attention à ça. Mais quand même, on vient valider quand même que les personnes ont bien réussi à résoudre l'enquête. Puis je pense que si les personnes prennent le temps vraiment de lire, peuvent prendre des petites notes, prendre le temps vraiment de survoler tous les éléments, ils risquent fort probablement d'arriver au résultat, là, d'arriver à la résolution de l'enquête. Fait qu'on, comment dire, c'est fait 13 ans et plus, mais moi, je pense que facilement, un adulte peut avoir plein de fun avec ça. Là. Moi, je me suis amusée comme une folle avec celui de Mathieu avant de faire le mien. Fait que j'imagine que je dois pas être la seule qui va avoir du fun avec ça en ayant en bas de 18 ans, là, mettons. Écoute, on a eu cette discussion-là dans certains des lives jeunesse qu'on fait. On dirait que quand c'est un livre puis on mentionne la jeunesse, les gens, en général, vont s'imaginer que c'est pour les enfants. Mais à peu près tous les adultes vont écouter les films de Disney. De ben oui! Come on! Qui sont des films pour enfants, mais qu'on aime autant que les jeunes avec qui on l'écoute. Alors, je pense que c'était LP qui hésitait toujours avec le terme jeunesse, que c'est pas toujours nécessairement jeunesse. Mathieu? Ben, j'allais dire, tu sais, la littérature jeunesse, là, on pense tout le temps aux enfants, aux romans pour les enfants en bas de 8 ans, tu sais. On pense aux albums, on pense aux... tu sais, la littérature jeunesse, il y a des albums pas de mots dedans qui sont faits pour les bébés de 2 ans, tu sais, les livres de bain, c'est de la littérature jeunesse à quelque part, là, tu sais, mais la littérature jeunesse, c'est aussi... Tu sais, Twilight, là, Twilight, quand c'est sorti, là, les librairies étaient remplies de filles qui avaient entre 15 et 40 ans, tu sais, qui capotaient sur Twilight. C'était de la littérature jeunesse. Puis tranquillement, oups, on attrapait des pré-ados un petit peu plus avec ça. Puis, tu sais, bon, et Harry Potter, même phénomène. Là. Harry Potter, combien qu'il y a d'adultes en ce moment là qui virent fou avec ça encore, tu sais, puis qui ont de la décoration à la maison de Harry Potter. Puis c'est de la littérature jeunesse. C'est pour les enfants, en théorie, tu sais. Mais c'est complexe quand même. Ça n'empêche pas d'avoir une histoire compliquée. Ouais. Ben c'est ça, la littérature jeunesse, ça implique aussi, c'est souvent une façon de raconter qui est différente, mais ça veut pas dire que les thématiques sont plus sont nécessairement toujours plus simples ou plus enfantines, tu sais. Mm-hmm. Il y en a de la littérature jeunesse avec des meurtres puis des disparitions puis des zombies puis tu sais, c'est ça l'affaire. Ouais. Puis voilà, moi j'allais dire aussi tantôt quand on parlait de comment lire ces livres-là, ben il y a pas de narrateur en fait qui t'explique quoi faire. Fait que c'est vraiment toi qui construis l'histoire que tu lis selon ce que tu choisis de lire en premier puis ce que tu choisis de pas lire. Tu sais, puis faut que tu attrapes les bons indices au bon moment, mais c'est sûr que tu peux être, tu sais, on peut être comme lecteur super stratégique dans un truc comme ça, tu sais, puis dire OK, moi je vais lire en premier tous les rapports d'autopsie parce qu'il y a des victimes, donc il faut que je sache comment sont mortes les victimes, comment le médecin légiste a vu ça. Mais peut-être que ça m'aidera pas pantoute, tu sais. Mais peut-être aussi que c'est une bonne stratégie. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que selon ce que tu choisis de lire en premier, tu peux avoir complètement une expérience de lecture qui est différente. Puis, ben là, il y a une question qui est apparue qui est, est-ce qu'il y a un lien entre les trois romans? Mais ouais. Le lien, c'est que c'est des enquêteurs du département d'enquête sur les phénomènes inexpliqués. Fait que c'est un département de la SQ spécialisé dans les affaires bizarres. Puis, ils ont des enquêteurs qui envoient quand il y a des choses bizarres. Fait que, il y a eu des zombies dans une ville, la police a tiré tous ceux qui avaient été tirés, il n'y en a plus de zombies. Là. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Fait qu'il y a un enquêteur du DPI qui s'en va là, puis qui fait son enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Puis l'objectif de faire une enquête comme ça, c'est d'essayer d'empêcher que le phénomène puisse se reproduire. T'sais, c'est un phénomène bizarre, on ne veut pas que ça recommence. Mm. Fait que même chose, là, il y a des gens qui disparaissent avec des vaches qui tombent du ciel, ben il faut aller checker ça. Il y a un incendie dans une usine, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. On envoie un enquêteur de cette gang-là. Fait qu'il n'y a pas de lien comme tel dans le sens où les enquêteurs ne se parlent pas d'un livre à l'autre. Mais il n'y a rien qui empêcherait éventuellement, mettons, qu'on dise « Hey, on fait un roman, une enquête super complexe » et les trois enquêteurs sont allés enquêter et ils ont chacun fait leur partie. Puis là, bonne chance le lecteur, il faut que tu démêles tout ça. T'sais, ça pourrait éventuellement... Ça pourrait amener ce genre d'affaires-là parce qu'ils sont, ils travaillent tous ensemble, même si c'est des cas différents. Oui, ils sont tous dans la même équipe là, du département des enquêtes sur les phénomènes inexpliqués. Fait qu'en quelque part, c'est des collègues. C'est juste qu'il n'y a pas nécessairement... on ne fait pas référence à nos collègues dans le dossier d'enquête, à part la lettre
du début, dans le fond, nos enquêteurs introduisent quand même le dossier en disant « Hey, salut, je m'appelle, par exemple, mon enquêteuse, c'est Florence Théroux. Je m'appelle Florence Théroux, voici mon dossier d'enquête. Bon, ben, démerde-toi avec ça. » Fait qu'à part ça, Florence Théroux, elle s'adresse pas au lecteur, vraiment. Fait que c'est ça qui est intéressant. Faut être un peu autonome quand même, puis prendre l'initiative, mais je dirais aussi se faire confiance. Tu sais, je vois souvent des lecteurs dire « Ah, moi, j'y arriverai jamais, mais tu l'as même pas vu encore le livre! Arrête ça! Ça va être correct, tu vas y arriver. On l'a fait pour que les gens soient capables de résoudre l'enquête. On l'a pas fait pour que ce soit trop facile non plus, là, quand même. Faut prendre le temps de bien lire, mais si on prend le temps de bien lire, on devrait y arriver. Fait que faites-vous confiance, mais lisez attentivement aussi les éléments. Puis j'imagine, si le collectif a beaucoup de succès, il va éventuellement avoir d'autres tomes. Est-ce qu'on peut annoncer s'il y en a déjà en préparation ou ça reste... C'est trop tôt dans le projet pour en parler. Parce qu'écoute, moi, je vois un potentiel. Il faut que ça aille dans la liste des best-sellers et qu'il y ait d'autres tomes. Ah, ben oui. Mais ça va. Vous, en librairie, là, nous, on a besoin de savoir que vous en voulez plus. J'ai essayé de mettre une page à l'écran. Je ne suis pas assez doué pour le faire avec StreamYard. Et puis, vous ne pouvez pas voir mon écran. Ah, vraiment. On voit un peu. C'est une fiche. C'est un rapport d'incendie. Alors ça, ça vient... Alors, on ne le voit pas. Non. Alors, ça marche. Bouge plus. Alors, c'est vraiment un rapport comme tu recevrais... les pompiers après un incendie, là. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que les différents éléments d'enquête, pour qu'il y ait l'air crédible, il fallait aller chercher de l'info. Fait que, tu sais, des rapports, par exemple, de si on veut, d'événements policiers, ben aller voir sur Internet, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça contient? Puis tout ça, c'est... En tout cas, moi, j'ai trippé à faire ça. Aller chercher... Bon, c'est supposé avoir l'air de quoi... tel type de rapport, puis de pouvoir l'intégrer à notre histoire, c'est super trippant. Ce qui est le fun de votre projet, bon, la couverture, c'est Mathieu Dandurand, évidemment, qui a fait à peu près tous les livres d'ADA, qui est très extrêmement doué. Mais moi, j'ai été surpris, la révision éditoriale, c'est Sylvie Catherine de Vallée, je ne suis pas certain de prononcer le dernier nom, là, de Vallée. De Vailly, je pense qu'il faut dire. De Vailly. Et Corinne Vailly qui a fait la révision linguistique. Alors, deux auteurs que j'admire et j'ai été vraiment surpris de voir qu'ils ont été impliqués dans le projet avec la révision éditoriale et linguistique. Alors, c'est super le fun, ça. Des personnes d'expérience, là. Oui. Ouais, moi, je suis très content de travailler avec les sœurs de Vailly, en fait. Sylvie-Catherine, de savoir qu'elle allait faire la direction littéraire du projet. En fait, c'est une autrice d'expérience en jeunesse, en adulte, en polar aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a déjà fait du roman policier sérieux, tu sais, pour adultes, de façon bien réfléchie, bien construite et tout ça. Puis, Corinne, j'avais déjà travaillé avec elle un petit peu, puis j'étais content aussi de savoir qu'on allait avoir une réviseur d'expérience sur un projet comme celui-là, parce que c'était quand même... C'est complexe, là, tu sais, il y a des termes très techniques là-dedans aussi qui sont, dans le fond, en premier, on se faisait dire, faut que tu utilises tel mot parce que tel autre mot que tu as pris, il marche pas, c'est pas la vraie affaire. Après ça, on avait l'autre sœur qui disait, OK, ben, je vais te le corriger comme du monde, tu sais, fait que c'était intéressant pour ça. Ça marchait bien, honnêtement, là, c'était une belle façon de travailler, c'était intéressant de pouvoir vivre cette expérience-là aussi parce que ça fait partie, moi, je trouve, du plaisir de travailler avec des éditeurs. C'est d'avoir des lecteurs d'expérience qui nous dirigent là-dedans puis qui accompagnent. T'sais, c'est, moi, j'ai un plaisir fou à subir la direction littéraire. J'aime c'est bien comme ça, une torture. Ouais, c'est comme une torture plaisante. Là. Ça a l'air un peu sado-maso notre affaire, là, mais on apprend plein d'affaires. Là. J'ai ajusté le tir sur un truc coûteux super important qui a vraiment bonifié là, mes rapports dans le livre. Là. Fait que ouais. Et puis, bon, comme on disait, il n'y a pas d'ordre pour lire les trois livres. Vous pouvez choisir celui de Mathieu en premier, celui de Whitney, celui de Stéphanie. L'idéal, évidemment, c'est de les acheter les trois ensemble. Alors, vous n'allez pas retourner à la librairie. Ben ouais, ça serait déjà fait. Ben, je veux dire, ils vont ensemble, ils sont parfaits. C'est trop généreux de leur suggérer ça, Sylvain. Ben écoute, moi, je suis convaincu, peu importe
qui vous êtes. Si vous allez lire un des trois, vous allez vouloir les autres. C'est ça qui est le fun avec les collectifs. Mathieu, Whitney et Stéphanie ont des plumes différentes, ils ont des thèmes différents. Juste pour vous donner une idée, on parle de zombies avec Mathieu, on parle d'incendie avec Stéphanie, et puis Whitney, disparition. Alors, c'est vraiment, t'en as pour tous les goûts. Petite question pour vous ici, de Marilyn. Avez-vous été aidé par des enquêteurs, de vrais enquêteurs pour vos livres? Mais moi, j'ai cherché des enquêteurs qui avaient déjà enquêté sur des zombies. J'en ai pas trouvé. T'aurais dû aller aux États-Unis. J'ai pas eu d'aide. Non, pas encore. Mais qu'est-ce que tu as mité dans les zombies au Québec, toi, là? Oui, c'est ça. Tu t'es consulté toi-même. C'est ça. En fait, tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup... tu sais, CSI, la série originale à Vegas, je l'ai écouté religieusement. Dans les premières années où c'est sorti. Fait que, tu sais, j'ai vraiment travaillé avec ça, avec ces souvenirs-là de comment ils fonctionnaient, les CSI dans cette série-là. Puis, tu sais, évidemment, là, il n'y a aucun enquêteur professionnel qui va lire mon roman et qui va faire comme « Ah, c'est exactement de même que ça se serait passé. » En partant, il y a des zombies. Fait que, tu sais, la partie réaliste sur la police, on peut aussi en sauter des petits bouts, tu sais. C'est pas si grave que ça, tu sais. En même temps, ça peut quand même s'apparenter. Tu sais, moi, si j'étais enquêteur, ben, c'est peut-être ça que ça aurait donné pour vrai, tu sais, à quelque part. Mais j'ai quand même, honnêtement, quand j'ai retravaillé mes entrevues avec les témoins, parce que moi, je les avais écrites il y a longtemps, ces entrevues-là. Puis, entre-temps... Moi, j'ai été victime d'un vol d'identité il y a quelques années. Quelqu'un avait fraudé une carte de crédit à mon nom, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai eu à aller voir des policiers, puis à jaser de ça dans une salle d'interrogatoire, tu sais. Fait que, je suis quand même allé rechercher un peu cette expérience-là pour essayer de bonifier ça, puis rendre mon policier peut-être un peu plus crédible dans ses entrevues. Mais, tu sais, c'est pas un personnage comme d'habitude dans un roman où on est dans ses pensées. Tout ce que t'as, c'est ce qu'il dit. T'sais, c'est pas écrit il prend son temps, il respire, il boit une gorgée de café. Non, c'est écrit qu'est-ce que t'as fait le 8 janvier. C'est ça directement. Fait que ouais. C'est quand même particulier aussi. Là, ça, à la limite, les entrevues ils se lisent un peu comme du théâtre. C'est vraiment juste deux personnages qui se parlent, puis il n'y a pas d'autres indications que ça. Donc, c'est particulier. Vraiment. Moi, c'est sûr que j'ai fait des recherches par moi-même grâce au miracle d'Internet. Ouais. On peut trouver pas mal d'affaires. Oui, c'est ça, on a cherché des documentations officielles et moins officielles, mais il y a un truc qui me faisait vraiment peur, c'est que j'avais peur de tomber dans le cliché du CSI de genre zoom sur la caméra, ça y est, je vois la plaque d'immatriculation. Moi, c'est ça que je voulais pas tomber dans le cliché de tout ça. Fait que, comme par exemple, j'ai décidé dans mon livre de parler de détecteur d'un mensonge. Mais en faisant de la recherche, j'ai vraiment compris tout le mythe qui est autour du détecteur de mensonges qui, en fait, ne peut pas détecter les mensonges. C'est déjà là, c'est un peu de faire tomber les barrières. Puis les policiers, encore aujourd'hui, utilisent cet outil-là. Mais c'est comme un prétexte pour amener des gens aux aveux, tu sais, parce que le détecteur de mensonges ne peut pas être retenu en cours, par exemple. C'est un outil qu'on utilise, mais qui n'est pas fiable à 100%. Donc, c'est des choses comme ça que j'essayais de faire attention. Puis, dans le livre de Mathieu que j'ai lu en premier, parce qu'il était... Il était déjà commencé. Il était déjà pas mal fait. Ça m'a vraiment marqué la touche comme scientifique, si on veut, au niveau des analyses. Puis oui, OK, c'est des zombies, mais il y a comme une explication logique de ah ben oui, ça aurait peut-être marché comme ça, avec des réactions chimiques, je ne sais pas trop. Je trouvais ça vraiment intéressant de. Tu sais, on fait des livres jeunesse, mais encore une fois, c'est pas on te prend par la main, c'est pas. Facile, tu sais, on peut vraiment, avec la logique, arriver à des conclusions similaires, puis c'est pour ça que de jouer le rôle d'enquêteur, c'est un vrai défi, là. C'est pour les adultes et les ados. Oui. Pas tout le monde. Moi, s'il te plaît, Whitney, dis-moi que tu as été dans une ferme laitière. Non!
Non. Mais non, hey, j'ai grandi à Saint-Wenceslas, OK? Fait que je connais quand même pas pire ça, les fermes. Mais non, j'ai pas été faire des recherches au niveau enquêteur. Mais là, maintenant, il faudrait que je me trouve un contact enquêteur. En tout cas, si vous en connaissez un, faites-moi signe. Parce que le roman policier, ça m'intéresse. Bon, encore un truc que j'ai pas fait, que ça me tente de faire. Mais il manque, c'est ça, pour faire un vrai roman policier, là, il manque beaucoup d'éléments personnellement. Mais pour être capable de créer des éléments d'enquête, ben, tu sais, on peut rechercher ce genre d'éléments d'enquête. Qu'est-ce qui... Tu sais, c'est quand même plutôt facile que ça ait l'air quand même crédible. Fait que c'est intéressant là, de parcourir ces preuves-là, mais j'ai pas été jusqu'à contacter un enquêteur. Mais la directrice littéraire, elle en a écrit vraiment beaucoup. Elle a repéré quelques erreurs. Ah, tiens, dans une enquête, ça marchait pas. Puis, fait que là, je suis ah, mais là, il a nettoyé son arme. Fait que là, il doit bien y avoir encore. Mais en tout cas, non, ça marchait pas. Là, t'sais. Fait que ça, c'est intéressant. Elle a pu en repérer quelques petites erreurs. Puis c'est certain là, que si un enquêteur là, super qualifié il disait nos trucs, ben tu sais, ça parle de zombies, ça parle de bon, moi c'est mystérieux, je peux pas vous dire de quoi ça parle, mais ça parle de phénomène paranormal. Fait qu'à quelque part, c'est sûr qu'il ne sera pas tout à fait qualifié s'il lit pas non plus tout le livre, là, même si c'est un enquêteur. Fait qu'il va avoir besoin de lire les éléments lui aussi. Pour trouver le coupable. D'ailleurs, pouvez-vous me dire en quelques mots, ben, on a déjà parlé du zombie un peu, mais si tu veux, peut-être nous situer quel est le mystère ou dans quoi on s'embarque un petit peu dans vos enquêtes, sans donner trop de détails. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allez-y, les filles, je vous laisse parler. Ah, ben moi, dans le fond, il y a plein de phénomènes bizarres qui se déroulent à Beauharnois, qui est en Montérégie, vous aurez compris que c'est une ville qui ressemble fortement à Beauharnois, mais bon, c'est quand même la ville fictive de Beauharnois, fait que j'ai pris plusieurs libertés quand même. Puis, il y a plein, tu sais, c'est une petite ville normalement bien tranquille, et là, il y a plein de choses qui se passent, une à la suite de l'autre, et justement, en raison de ça, la DPI est interpellée. Il y a par exemple une médium qui meurt en essayant de communiquer avec les morts. Il y a une pluie de vaches. Il y a une mère de famille qui implose carrément. Puis suite à ça, il y a plusieurs disparitions de... Ouais, exactement. Il y a plusieurs disparitions d'adolescents qui se succèdent à une semaine d'intervalle. Et là, ça faisait juste, c'était trop pour la Sûreté du Québec, les enquêteurs normales, fait qu'ils ont fait appel à Florence Théroux pour éviter qu'il y ait une autre disparition, puis pour que ces phénomènes-là, à quelque part, arrêtent, là, parce que c'est un peu spécial, là, des pluies de vaches, puis des personnes qui explosent, implosent, nuance, mais... Fait que c'est un peu ça, fait que c'est de trouver comment est-ce qu'on peut expliquer logiquement que tous ces événements-là, finalement, sont liés les uns aux autres. Puis c'est de trouver c'est quoi le phénomène qui est à l'œuvre ici. Fait que c'est ça un peu mon dossier d'enquête. Très intéressant. Stéphanie? Ça va être dur de pas trop révéler. Oui, c'est ça. C'est vraiment un défi. Moi, d'enfant, ça se passe dans une ville que j'ai nommée Saint-Thôme. Et dans le fond, à Saint-Thôme, il y a une énorme usine de pâte et papier. C'est vraiment l'industrie qui fait rouler la place. Puis, comme la tuque, finalement. Mathieu vient de la tuque, je pense aussi. Exactement. Et, en fait, l'entrepôt de l'usine, où est-ce que tout le papier passe au feu pendant la nuit. Et un phénomène assez étrange... Il y a comme une tendance pyromane qui se met à gagner les employés de l'usine un par un. Oui, c'est vrai. Les policiers de la SQ sont vite dépassés, alors ils font venir la Henriette Luther de la DEPI pour élucider tout ça et évidemment trouver qui a mis le feu et surtout pourquoi, parce que pour l'instant, il n'y a aucune explication logique à tout ça.
Puis pourquoi tous ces gens sont devenus pyromanes soudainement? Ouais, parce qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a des tendances inexpliquées qui se multiplient. Okay. Mathieu, ton histoire de zombie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire? Ben, en fait, c'est très simple. Moi, j'habite à Nicolette maintenant, la ville de l'École nationale de police, tu sais, en partant. Fait que, il y a toujours des polices partout, là. Ils sont en formation, tu sais. Puis, il y a une base militaire parce qu'il y a déjà eu des tests de l'armée avec des munitions dans le lac Saint-Pierre qui est à côté. Il y a un parc industriel avec toutes sortes d'affaires dedans. Fait que, moi, je suis parti de ça et je me suis dit, est-ce que ça se pourrait que toute cette aventure-là de base militaire, école de police, les industries chimiques, la centrale nucléaire à Gentilly qui est pas si loin que ça. Tu sais, est-ce que je pourrais aller jouer là-dedans puis faire que, ben, qu'il y a des zombies à quelque part dans cette ville-là qui se font, c'est ça, qu'il y a une épidémie de zombies, donc extrêmement contagieuse. Et l'enquêteur, dans le fond, c'est terminé, là. Ça s'est produit il y a quelques semaines. L'enquêteur qui arrive sur place essaie de retracer l'ordre logique de qui a contaminé qui. Donc, qui a été contaminé ou a contaminé qui, dans quel ordre, et comment c'est arrivé au départ, en fait. Donc, l'enquêteur cherche aussi à trouver la source de la contamination. Donc, le lecteur peut essayer de retracer l'ordre des morsures ou des contaminations par fluide quelconque. Et le lecteur peut aussi décider de suivre la trace des produits ou des substances avec lesquelles les personnages sont en contact. Donc, il y a deux façons un peu de résoudre cette enquête-là. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Donc, il n'y a pas nécessairement de scène où on assiste à des gens qui mangent d'autres gens, tu sais, parce que c'est pas une histoire de zombie classique, mais dans les entrevues avec les témoins, il y a quand même des gens qui ont été témoins d'attaques, qui témoignent de la chose. Donc, il y a un petit volet horreur là-dedans quand même. Tu sais, il y a des parents qui ont survécu à leurs enfants, qui ont été obligés de les abattre, tu sais, de ce genre d'affaires-là aussi, de c'est quand dans même les rough. Entrevues. Ouais, non, c'est ça, tu sais, il y en a des pas pires là, dans les entrevues. Voilà, donc, je suis vraiment allé jouer là-dedans. C'était vraiment plaisant à faire aussi, tu sais. Moi, j'aime les zombies, mais pas quand nécessairement c'est surnaturel. Tu sais, j'aime quand il y a une explication pseudo-logique scientifique en arrière. Tu sais, dans mon roman de zombies en 2009, c'était ça. C'était une créature qui à cause des usines nucléaires en Corée, tu sais, qui sort de là puis qui se met à zombifier du monde. Tu sais, il y avait comme une logique en arrière. Tu sais, fait que j'aime aller chercher cet aspect-là. Fait que c'est ce qui faisait que ça peut être une enquête aussi, même si c'est des zombies, tu sais. Ben, c'est voilà. Ça que j'aime, c'est des enquêtes, mais c'est pas Roger avec le gun qui a été tué Gisèle dans l'autre pièce. Là. C'est vraiment pas ça. Là. On se retrouve dans des scénarios assez, je te dirais, compliqués, intéressants et inhabituels. Oui, inhabituel, c'est le bon terme, je pense. Wow. Ben écoute, ouais. Ben, moi, est-ce que tu allais dire quelque chose, Mathieu? J'allais dire, tu sais, moi, si j'en... Mettons, là, si je pouvais avoir la chance d'en faire un autre, j'irais peut-être fouiller dans, tu sais, les loups-garous. Tu sais, aller fouiller dans c'est mon autre dada, les loups-garous, depuis longtemps, là. Tu sais, j'aimerais ça, là, aller faire ça, là, une enquête. Tu sais, peut-être mon même enquêteur, même, là, tu sais, qui aurait son expérience de zombie en arrière de la cravate, là, tu sais, fait qu'il serait peut-être plus rapide sur des conclusions qui seraient peut-être pas bonnes. Tu sais, je vois beaucoup de potentiel pour aller jouer avec ce concept-là, ouais. Avec d'autres créatures, tu sais, ou d'autres phénomènes étranges. Fait achetez-les à profusion, tu sais, pour qu'on puisse avoir cette chance-là d'en faire d'autres. Oui, on veut en écrire d'autres, là. Ouais. Ben oui, c'est l'été qui s'en vient. Vous avez besoin de lecture pour les enfants, vous avez besoin de lecture pour vous-même. La plage, les vacances, c'est le moment idéal. Ils vont sortir où ils sont déjà en train de se retrouver là, dans les librairies. Alors, c'est le moment idéal. Puis, une dernière chose, on va faire un tirage après, et puis je vais annoncer les gagnants. Mais moi, je voulais vous demander quelque chose. D'où, pourquoi avez-vous choisi ces événements? Ben Mathieu, toi, je te comprends, là, parce que je sais que tu aimes beaucoup les zombies. Mais mademoiselle, pourquoi vous avez choisi ces mystères-là? J'essayais de voir des liens avec vous, là, tu sais, je vous connais un petit peu. Puis je me disais, pourquoi ils ont choisi ça? Mathieu, je n'étais pas sûr des zombies.
Ben, moi, c'est un peu niaiseux, là, mais c'est parti de la pluie de vaches. Puis, tu sais, à part ça, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être vraiment weird? Puis là, après, j'ai essayé de faire plein de liens. La pluie de vaches, c'était weird en partant, ça. Ouais. Là. Mais ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Vincent Fournier-Boisvert, puis le puits. Moi aussi. Le décès d'une vache qui vient comme un peu, en tout cas. Fait que c'est ça qui m'a comme, ça a parti de là, puis après, comment dire, j'ai essayé de voir toutes les répercussions puis tout ça, puis finalement, la pluie de vaches, pas nécessairement l'élément le plus important de mon histoire, mais c'est de là vraiment qu'est partie mon inspiration, puis je dois avouer aussi, j'étais comme « Ah, oh, paranormal, c'est cool, moi j'écoute plein de trucs comme ça », mais je me suis mis à faire plein de recherches, puis je me suis dit « Ah, qu'est-ce que je pourrais bien, quel angle je pourrais prendre, quel genre de phénomène qui serait intéressant », fait que c'est en faisant mes recherches aussi que j'ai pu développer à la base un peu ça, mais ça reste vague, mais la pluie de vache, vraiment, pour moi. Stéphanie? Je sais pas trop, moi. En fait, j'essaie toujours de faire quelque chose d'original que j'ai pas trop vu avant. Fait que là, je me suis mis à chercher, puis je me suis dit, pourquoi je parlerais pas d'un pyromane? Ça me permettrait de parler un peu du côté... problèmes mentaux, d'un côté un peu fou, puis j'imaginais bien de ce côté-là, puis pendant mes recherches, je me suis dit, qu'est-ce qui brûle aussi bien que du papier? Tu sais, il n'y a pas grand-chose. Fait que là, du papier! J'ai envie de faire une usine de papier qui brûle. Oh. Et durant mes recherches, en fait, j'ai trouvé comme inspiration une usine qui existe pour vrai à Saint-Jérôme, puis c'est vraiment de là que je suis partie. C'est une usine qui a plus que 100 ans, là, que je trouvais vraiment... elle avait un certain cachet, puis ça m'a vraiment inspirée pour écrire. Puis chaque fois, je me disais, qu'est-ce qui va se passer dans telle pièce? Là, j'avais déjà des schémas en tête, j'avais accès à des photos, puis ça m'a vraiment aidée dans mon écriture pour que ça soit le plus réaliste puis crédible possible. Fait que dans le fond, t'es la plus terre-à-terre des trois, un petit peu, là, je veux dire. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai, je suis partie d'une pluie de vache, là, on peut pas faire vache, plus fucké. Des ennuis, un feu, voilà. Moi, j'aime ça me donner des défis quasiment insurmontables. Puis là, je me suis dit, ah, tiens, je vais faire une enquête, mais il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, il y a un feu, mais il n'y a pas de cadavre. Donc, c'est peut-être l'histoire la moins horrifique dans le lot. Mais moi, je trouvais que c'était encore plus difficile de rendre ça intéressant, puis intriguant et mystérieux. Fait que je suis allée de ce côté-là. Puis t'as réussi, t'as vraiment réussi à faire ça. Ouais, ça fait vraiment différent. Puis tu sais, tu peux pas te baser sur les rapports d'autopsie. Fait qu'il faut que tu ailles chercher d'autres preuves. Là. C'est vraiment le fun. Là. Moi, je trouve ça fait diversifier pas mal. Oh, yes! Ben, la morale de l'histoire, là, mes amis, là, c'est qu'il y a un seul moyen pour les gens qui nous écoutent de découvrir les mystères, de les résoudre. C'est de procurer les romans qui vont être disponibles un peu partout. J'ai pas l'information sur le prix, ces choses-là, mais allez suivre les pages de Whitney, Stéphanie et Mathieu. Ils ont des informations intéressantes. Ils vont vous garder dans up-to-date. Peu importe, là. Yes, vous comprenez ce que je veux dire. Ben oui, je pense que tout le monde comprend, Sylvain. Moi, je suis content d'avoir participé à cette aventure-là en lisant vos livres. J'attends les prochains avec grande impatience. Tu pourrais peut-être participer une prochaine fois, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. J'ai suivi la carrière de Mathieu. Mathieu s'est jeté dans l'horreur, alors j'ai commencé à écrire de l'horreur. Mathieu s'est laissé pousser une barbe, je me suis laissé pousser la barbe. La seule chose qui me manque pour rejoindre mon idole qui est Mathieu, ce serait l'écrit du jeunesse. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si je dis faux. On verra bien ce que l'avenir. C'est sûr que oui. Ben, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, les amis. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et vous êtes tellement talentueux que je m'incline devant vous. Ben, merci à toi, hein, vraiment, de faire cette animation-là avec des auteurs régulièrement comme ça. C'est vraiment cool que, tu sais, depuis un an, on parle à nos lecteurs sans jamais les voir en vrai.
mais on en profite quand même un petit peu. Merci aux lecteurs. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Je regarde les commentaires à mesure depuis tantôt, puis je trouve ça vraiment cool de vous voir réagir. Oui. Fait que voilà. Puis, tu sais, n'hésitez pas à nous écrire quand vous avez lu pour nous faire des commentaires, pour qu'on puisse jaser. On est tout le temps, ben, je pense que tout le monde est bien ouvert à discuter avec les lecteurs tout le temps. Ah, mais ça. Oui. Puis, tu sais, j'allais dire. T'sais, des fois, on a des livres aussi à la maison. T'sais, si jamais vous voulez des petites commandes privées, de choses plus dures à trouver. Mais nous, on ne sait jamais. Il faut demander. Voilà. Il faut le demander s'il y a quelque chose de particulier que vous voulez. Ben, les filles, un mot de la fin, quelque chose que vous voulez ajouter? Ben, merci. Merci pour tout. Écoute, je pense que ce que Mathieu a dit est tout à fait pertinent. Fait que je suis d'accord avec ça. Fait que je vous remercie d'avoir été là. Merci, Sylvain, d'avoir animé. Puis j'ai bien hâte que des gens lisent nos bouquins. J'adore ça, avoir les rétroactions. Ça me fait tout le temps hyper plaisir quand j'ai un petit message là, dans ma petite boîte de réception de Facebook. Puis que quelqu'un me dit « Hey, j'ai lu, c'était super bon! » Ou « Ah, je suis pas habituée avec ce genre-là, mais j'ai vraiment aimé ça. Là. Écoute, ça a fait ma journée. C'est comme ma paye, là, finalement. » Tellement. Fait que n'hésitez pas à nous contacter. On est pas sorteux, hein, surtout avec... Bon, mais peut-être un peu plus, mais... Oui. Puis, merci hein, pour les livres que vous faites tirer. Je vais vous envoyer les noms des gagnants. Yes. À moins que vous vouliez que je les affiche sur la page d'ADA, peu importe là, ce que vous préférez. Ça peut être les deux. Parfait, on fera ça. Stéphanie, c'est toujours un plaisir de te rencontrer aussi, de parler. Et puis, on va tous se retrouver au Salon du livre, peut-être de Montréal. Ah oui, j'aimerais ça. Mais... Croisez les doigts. Mais bon, c'était vraiment le fun. Puis vraiment, merci. Merci tout le monde. On se parle pas assez, mais justement, je suis toujours contente de vous parler. Puis Sylvain, ben moi, j'ai le goût de te lancer un défi prochainement. Là. Je te donne le choix. C'est soit que ton prochain livre que tu vas commencer à écrire, c'est un livre jeunesse, ado, ou tu deviens, t'essaies de devenir un vrai animateur de talk show parce que l'expérience que tu as, les deux, là, je trouve que ça marcherait, moi. Là. OK, bon, mais je vais commencer mon livre jeunesse. Je suis prêt. Ben, c'est ça. Excellent. Tu me diras quel phénomène inexpliqué tu choisis pour pas qu'on écrive la même affaire. Oh, les vaches, la pluie de vaches, là, c'est dur à battre. Merci, les amis. Là, on se reparle, puis bonne soirée, tout le monde. Salut! Bye bye, Fugu!